coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles, bienvenue aux anciennes. Comme le titre l'indique, on va parler mode et ça sera une vidéo, ben, vous voyez, lookbook, try on, revue un peu. Donc les filles, je suis un peu excitée parce que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de lookbook. J'ai filmé hier la partie essayage et donc là maintenant, je vais vous présenter donc les articles et parler en même temps, vous donner mon avis, etc. Franchement, ça m'a fait du bien de refaire ce type de vidéo. C'est vrai que ça m'a beaucoup manqué. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai accouché il y a maintenant 3 mois. Et durant la grossesse, bah écoutez, j'ai pas fait beaucoup de lookbook. Je crois que j'en ai fait un ou deux. Mais c'est quelque chose qui me manque. Et donc, je suis ravie de vous retrouver avec ce type de vidéo. Surtout que vous m'avez laissé beaucoup de commentaires dans la vidéo blabla dans laquelle je vous posais la question quel type de vidéo vous voulez pour 2019 et beaucoup d'entre vous m'ont dit les vidéos Shein, les lookbooks, mode, etc. Je suis ravie de vous retrouver avec cette petite sélection en partenariat avec Mistoura. Alors, donc comme je vous disais sur Snapchat à la base, je chope. Voilà. Donc à la base, Mistoura m'a contacté pour le projet Oumi Benti. Donc c'est un projet pour un orphelinat au Maroc. Donc l'idée est vraiment de rassembler de l'argent. Et donc elle a mis en place une petite collection avec des vêtements maman-fille. Vous savez que j'ai deux filles, Rania et Mariam, mes petites jumelles, et que souvent on porte des choses voilà, pareilles. Donc du coup, elle m'a proposé donc de parler de ce projet. Et franchement, moi, tout ce qui est projet, voilà, avec... quand il s'agit d'aider les autres, d'utiliser les réseaux sociaux pour une bonne cause, je suis la première à dire oui, oui, oui. Donc voilà les filles, je vous posterai sur Instagram with Hasnabi, n'hésitez pas à me suivre, je vous mettrai mon Instagram ici, sinon vous trouvez le lien en barre d'informations. Je vous posterai donc deux tenues avec ces magnifiques, donc ici on a ces petits sweats, ces pulls super beaux que vous trouverez en gris, en je sais plus quelle couleur, bref, nous on a choisi rose poudré avec les filles, super joli, et ces t-shirts ici tout blanc. Donc je vous posterai ça sur Instagram. Donc 30% est reversé pour l'orphelinat. Donc pour l'orphelinat, vous pouvez aller sur le site internet pour avoir plus d'informations, vous allez voir les photos, etc. Et voilà, franchement, c'est un projet qui me tient à cœur et je suis super contente d'y participer. Donc n'hésitez pas les filles, si vous n'êtes pas intéressées par les vêtements, vous pouvez aussi faire un don. Voilà, maintenant on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet les filles. Tenue number one. Ok, c'est la pub. Non, elles sont toutes belles, mais je l'attendais parce que je la trouvais trop trop belle. C'est cette tenue ici. Alors, est-ce que j'ai les noms ici? Puisqu'il y a des étiquettes que j'ai enlevé d'autres noms. Bref, les filles, donc c'est cette tenue ici noire. Ce pull noir avec la jupe. Bien sûr, vous pouvez acheter séparément, vous pouvez porter séparément. Là, ici, dans la vidéo, j'ai voulu vous proposer deux looks. Un look avec des petites baskets, on va dire des petites chaussures cool, quoi, un look casual. Et... j'ai voulu aussi vous proposer un look un peu plus chic puisque des fois il suffit de rajouter voilà, une petite ceinture, un petit sac chic et voilà le travail. Donc j'espère en tout cas que les looks vont vous plaire. J'ai du mal à parler, j'arrive plus à parler français les filles, franchement. Non mais donc le truc que je voulais préciser les filles, donc je fais un S. Donc là ici c'est un 38, donc si vous faites un 36, ça va aller puisque le haut se porte assez loose, la jupe elle est un chouïa un tout petit peu plus trop grande pour moi, mais prenez du XS. Alors le S on va dire que c'est plus un 38 qu'un 36 chez Mistoura. Alors magnifique, vraiment il n'y a rien à dire, j'aime trop trop trop, et même si je ne pourrais pas porter ça ici à Singapour, j'ai hâte de pouvoir porter ça. Alors les filles, la deuxième tenue, je crois que c'est l'une de mes préférées. Franchement, elle est juste magnifique. Franchement, elle est magnifique. Alors, c'est ce pantalon camel avec ce gilet camel. Bien sûr, encore une fois, vous pouvez porter le gilet avec autre chose, le pantalon avec autre chose. Mais donc, moi, j'ai matché le pantalon donc large avec ce haut noir, cette petite chemise noire qui est super cool, super simple, vous voyez. Vraiment hyper à l'aise à porter. Donc, j'ai mis ça en dessous et... voilà, par-dessus, vous pouvez mettre donc le gilet. Je trouve, je trouve que ça fait vraiment femme, très féminin, très chic, élégant. C'est vraiment un style que j'aime énormément. Et donc, vous voyez le petit chapeau que vous voyez au-dessus là-bas, j'ai rajouté ça pour donner une petite touche ouais, pour le fun. Mais franchement, je trouve l'ensemble magnifique. Il est vraiment canon, j'aime trop. Je vais essayer de le prendre en photo. Problème, si je sors comme ça à Singapour, les gens ils vont se dire mais elle est timbrée celle-là, il fait chaud. Ici, il n'y a pas d'hiver, il fait chaud. Donc, on va continuer les filles avec alors là, cet ensemble-là. Si vous me suivez, vous savez que j'adore le vert kaki.
J'aime le vert kaki. Franchement, j'aime trop le vert kaki. Et cet ensemble-là, je l'ai repéré il y a hyper longtemps. Et une chose que j'ai oublié de vous dire, les filles, c'est qu'en ce moment, il y a des soldes. Du coup, je vais essayer d'avoir un code promo ou un petit privilège pour vous. Si j'arrive à obtenir quelque chose, parce que le truc, c'est que c'est déjà en promotion, donc du coup, c'est un peu difficile. Si j'arrive à obtenir quelque chose, je vous mettrai ça ici et en barre d'information. C'est pile, ben, écoutez, on est dans l'air du temps et il est magnifique. Il est franchement magnifique. C'est une taille S. J'ai rien à dire. Sincèrement, ben, écoutez, vous regardez les photos, moi, j'adore. Je me vois bien faire un safari avec ça. Franchement, j'ai envie de faire un safari rien que pour porter cette tenue avec des belles petites jumelles, faire de jolies photos et tout. Mais bon, bref, voilà. Voilà pour cet ensemble-là. On va continuer, les filles, avec des tenues que je vais vous prendre en photo. Donc ça, je vais prendre ces photos, des photos. Je ne vous dis pas où, puisqu'on s'en va bientôt pour un tout. Ça va pas être très long, mais étant donné qu'il y a le nouvel an chinois bientôt, donc j'ai profité pour prendre ces robes. Donc ce que j'aime bien avec Mistura, c'est que vous avez vraiment des collections, voilà, là, les collections printemps, été, hiver, automne, etc. Pensez un peu, bon, ça fait très bohème, mais ça me fait aussi penser aux robes jordaniennes, enfin c'est pas vraiment jordanienne, en Jordanie il y avait ces robes, mais ce sont des robes palestiniennes à la base. Les motifs me font vraiment penser à ça et je la trouve juste sublime. Franchement, elle est canon. Elle est magnifique. Le tissu, il est super à l'aise. Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, j'aurais bien aimé avoir un XS pour que ça soit vraiment bien, bien, bien. Mais je pense que je vais aller faire un tour à Little India chez les Indiens. Il y a plein de couturiers dans les rues comme ça. Enfin, pas plein, il y en a trois en réalité. Moi, je vous dis plein. Et peut-être juste rattraper un tout petit peu pour que ça fasse vraiment encore plus cintré. Je vais voir. Alors, l'autre robe que j'attendais. Franchement, elle est... Oui, le truc, c'est que lorsque j'ai filmé hier, il y avait du soleil. Et le soleil plus le blanc sur le blanc, ben, ça fait trop blanc. Là aussi, ça fait trop blanc. Donc du coup, on ne voit pas les détails. Mais je vais diminuer la lumière. Comme ça, vous allez voir les détails de cette robe qui est juste magnifique. Ça fait vraiment chic, élégant. Elle est canon. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Vous voyez, ça fait vraiment le... Je sais pas, c'est... Rien que le tissu, la coupe, ça fait très féminin, ça fait très délicat. Elle est trop belle. Alors le truc, c'est qu'il faut porter des sous-vêtements clairs. Parce que vous voyez, le cintre, il est noir. Sinon, on peut voir les sous-vêtements si c'est une couleur plus sombre. Alors, celle-ci. Alors, cette tenue-là, c'était pas prévu du tout. Donc, je n'ai pas choisi cette tenue. Puisque bien sûr, j'ai choisi hein, tous ces articles-là. Celle-ci, je ne l'ai pas choisie. C'est elle qui m'a dit, écoute, il y a une tunique. Elle est trop belle. Je la verrai trop bien sur toi. Je dirais ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'elle est... magnifique la tenue, franchement, avec donc le pantalon ici, je sais plus c'est lequel des pantalons, Sam, je sais plus c'est lequel des pantalons, tout sera de toute façon en barre d'informations, mais avec le pantalon et le voile, voilà, c'est la tenue complète, je trouve que ça fait très chic, très, je sais pas, très doux, très féminin, franchement canon, sincèrement, pour le coup, vraiment, oui. Sincèrement, voilà, canon. Un coup de cœur aussi. Oui, c'est ça, hein. Déjà, on arrive à la dernière tenue. Alors, la dernière tenue, c'est cette jupe. Donc, la jupe crème et le haut crème. Encore une fois, ce haut crème, moi, je vois bien ça avec un palazzo. Porté avec un palazzo, vous pouvez vraiment... voilà, la jupe, vous n'êtes pas obligé de mettre ça ensemble. Et je trouve que l'ensemble, il est juste canon. Il est trop, trop beau. Franchement, il est magnifique, bien sûr, encore une fois. Vous pouvez vraiment faire plein de styles avec... avec la jupe, porter ça avec un haut différent, voilà. Là, j'ai mis ça ensemble avec ce foulard. Je sais plus si c'est ce foulard que je porte dans la vidéo. Je sais plus si c'est celui-ci que j'ai mis. En tout cas, je trouve l'ensemble canon. Voilà. Vraiment très beau et parfait pour ici, pour le climat d'ici. Alors, concernant les foulards, oui, celui-ci, puisque hier, il y a des filles qui m'ont dit sur Instagram, « Hasna, il vient d'où ton foulard ? Il vient d'où ton foulard ?» Donc, il vient de chez Mistura. Donc, tous les foulards que je porte dans la vidéo viennent de chez Mistura. Donc, vous voyez, ça a un effet un peu... Ça, c'est le style de foulard que j'aime bien parce qu'il n'y a pas besoin de repasser. Vous mettez ça en boule et quand vous êtes en voyage ou même, franchement, quand je dois sortir... Moi, ça me saoule de repasser les vêtements, donc du coup, c'est vrai que c'est super pratique d'avoir ça. Je lui ai demandé des foulards vraiment couleur passe-partout que je peux porter avec tout. Donc, j'ai cette couleur qui est ici. Et alors, moi, la couleur vraiment que j'aime trop, mince, je fais tomber ça, que j'aime trop, c'est cette couleur ici, top. Ça, vous mettez avec tout. Ça passe avec tout. Vous pouvez porter ça vraiment avec tout. Et alors, excusez-moi, c'est ce que j'aime bien avec ces foulards-ci, c'est que ça fait très classe. Vous voyez, ça, c'est joli, hein.
C'est joli, mais ces foulards-là, ça fait tout de suite, vous voyez, habillé, ça fait bien habillé, voilà, ça relève la tenue. Voilà les filles, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude, je vous laisse tout en barre d'informations, le site internet mistora.fr. S'il y a un code promo, je vous le laisse quelque part ici. Et surtout, n'hésitez pas à participer si vous le pouvez, au projet Oumi. Donc, voilà les filles, écoutez, n'hésitez pas à laisser en commentaire la tenue que vous avez préférée, le look que vous avez préféré. J'espère en tout cas, voilà, vous avoir donné un petit peu d'inspiration. J'espère peut-être vous avoir fait découvrir Mistoura. Je pense que beaucoup de personnes connaissent Mistoura, mais on ne sait jamais. Hein. Laissez-moi ça en commentaire. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!